Bon bah maintenant on va passer au mode photographe que tu vas faire intégralement. Donc d'une part avec Raiden et ensuite avec Snake. D'accord. Donc je te laisse découvrir par toi-même ce que c'est un mode très drôle. D'accord. Voilà. Bon, Champa qui prend les ça va être commandes. la surprise, hein. On plie bien, hein. Donc tu dois prendre une photo comme indiqué. D'un totem. D'un totem, effectivement. Ah bien. Je pense que c'est là-dedans, non? Ouais. Voilà. Donc c'était facile. Non, mais est-ce qu'on est noté par rapport à l'angle de la photo? T'es noté plus par le temps que par l'angle en fait. Le temps que tu mets. Et peut-être un petit peu l'angle, je sais pas trop. Prenez une photo comme indiqué. Oula. Donc d'un garde en plein saut. Et il va y avoir des... Comment je vais faire ça moi? Je te laisse chercher un petit peu. Et si je me fais repérer, c'est grave? Tu perds si tu te fais repérer. D'accord. On commence, c'est grave. Ah si, je sais peut-être que... Quand le garde va se pencher avant de lire le bouquin. Mais essaye, tu verras. Non, il y a personne. Tu vas rêver. Je pense qu'en fait, lui, il s'en occupe plus. Ah, si je peux te donner un conseil, ouais. Essaie de refaire pareil, mais tu déposes le livre au milieu du couloir, là, juste... voilà, alors le couloir qui est juste là, là, celui-là, là. Celui-là? Ouais, tu le poses par là, là, vas-y. Ouais, ici, c'est bien. Et tu tapes contre le mur pour l'attirer. Mais ah. D'abord, barre-toi un petit peu plus loin, parce que sinon, il va te voir aussitôt. Ah oui, putain. Tu te dépêches à partir. Et par contre, ce qui va être galère, c'est que il va falloir qu'il ne te voit pas au moment où tu prends la photo. Ouais, tu vois, c'est la difficulté en fait. Échec. Non. Ah, c'est dur. Ah, c'est là, c'est vraiment pas évident. Bah, sinon, s'il y a peut-être une étape. Non. Attends, ça m'aille un peu. Ouais, pas bête. Pas bête du tout. Ah, trop tard. Bien. J'étais pas loin. Ouais, mais bon. Je peux recommencer une dernière fois. T'as trouvé la bonne méthode, de toute façon là. Ouais. T'as juste à refaire pareil, et ça ira quoi. Ouais, faut vraiment que ce soit le bon moment. Mais enfin, ce que j'aime bien, c'est que ça a un petit côté énigmatique ce mode. Bon, le premier avec le totem, bon, c'était une blague. Juste pour apprendre à utiliser l'appareil photo, on va dire. Ouais, oh, merde, ça. Bravo! Ah. Ah, ça a échoué. Hein? Bon, c'est pas grave, passe à la suivante. Ouais. Je sais pas pourquoi ça a échoué. Parce que c'est moi. Non. Bon. Ah oui, putain, ça c'est chaud ça. Ah oui. Donc, t'as dû comprendre un petit peu ce que tu dois faire, plus ou moins. Freeze! Ah. Fais gaffe parce que le point d'exclamation que tu dois prendre n'est pas rouge, il est bleu clair. Bon là tu vas échouer. Faire du bruit alors. Ah, il va falloir que tu t'arranges pour faire du bruit ou autre. Est-ce que j'ai des objets? Non, pas que dalle, t'as juste ton M9 quoi. Ah. Fait que tu zoomes dessus. Non. Bon, on est réussi. On va dire ça. C'est en gruge. Hein. Mais ouais, je crois que c'est la touche B si tu veux zoomer avec l'appareil photo. Ah. Prenez une photo des étoiles. Des étoiles. Ouais. J'ai pas d'étoiles. Moi, je me rappelle ce qu'il faut faire. Ah, mais oui. Tu vois ce qu'il faut faire? Oui. Ah. On met un garde. On prend la tête d'étoile qui tourne.
Bah c'est vrai qu'il verra si c'est ça. Oula, voilà. Oui non. Non mais... C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Ah mon temps. Il va gueuler, I'm under attack. Ah non, 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 ça y est, ça y est. Ah c'est bon. C'est assez bon. Non. Bravo. J'y ai pensé tout de suite. C'est le côté énigmatique, tu vois. J'ai vraiment réussi celle-là, mec. Il paraît que le fantôme d'un soldat air sur le pont troué prenait une photo. Ah. Ouh. Attention. Encore un petit côté énigmatique. Ah, j'en ai appelé son son. Oui. Servir. Fantôme d'un soldat. Ouais. M'intrigue. Du spiritisme dans. Bienvenue dans Paranormal Activity version MGS. C'est ça. On va visiter un peu le coin, hein, parce que bon. Eh oh, y'a un fantôme. Eh oh. Oui, lui. Fantôme, ça? Peut-être. Je vois le truc, il regarde. Et il apparaît pas sur le radar aussi. Il réagit pas. Oula. Donc attends, c'était bien le fantôme. Putain, mais attends. Ça, c'est un gros coup de chance, mais non, mais la chance avec moi, non. Prenez une photo du fantôme, les fantômes détestent la lumière. Ouh. On se croirait dans. Dans Rec. On va sortir tous les films d'horreur. Il est en forme. Il est un peu mort. Peut-être en décomposition. Ah. Un ancien musicien. Ouais. N'importe quoi. Ah attends. Quoi? Ah. Bien fait là. J'ai pas envie de faire ça. D'accord. Ils aiment pas la lumière. Ouais. C'est un petit indice pour te mettre sur la voie. Il y a un cadre en plus tout à l'heure. Oui. Ça peut s'ouvrir ça? C'est avec Y, si tu peux essayer d'ouvrir une porte. Le mec qui était mort tout à l'heure, j'ai pas essayé de mettre la lumière sur lui. Tu peux ça? Tu peux essayer. Bon, on va essayer parce que. Ouais! Sur le mec au l'arbre sans les mains ou pas? Attention. De manière multiple surtout, il arrête pas. Qui a fait ça? Qui a fait des trucs dégueulasses avec l'extracteur? Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse. Là, qui a fait un buquet avec l'extracteur? Scandaleux. Je pense que ça devient gore là, quand même. Il y a des mineurs alors, qui regardent. Et ben alors? Il va se relever au bout d'un moment, c'est ça? Tu verras. Je te laisse chercher. C'est pas ça alors. C'est genre il est pas assez mort, tu lui tires une balle en plus. C'est jamais hein. Mais vous êtes remort que. Mort et remort que. Mort et revivant. Hein. Ah bon alors.
vraiment dégueulasse. Bon, alors. Non, c'est vrai, regarde. Oui, oui, c'est vraiment gore. Ça, c'est dégueulasse. Bon, on y va. Sacré tâche quand même. En même temps, tu me diras, mec, il y a une serpillière sur la tête. Et là, le fantôme, regarde. Ce truc qui se balade là. Bon, alors. Ah. Non, rien. Alors. Oh, fais gaffe, il te reste. J'ai l'impression que c'est un moment où j'ai déjà vu ça. J'ai l'impression que ça se répète. Pas pourquoi ça. C'est l'effet répétition. Non, bah là, franchement, je ne sais pas, je me donne ma langue au chat. Bon, bah, je vais te donner un indice supplémentaire si tu veux, ça tourne autour du cadavre que t'as vu tout à l'heure. Ah. Le cadavre et la clé. Ah, c'était bien la clé alors. Bon. Allez. Les mouches. Ce ne sont pas les mouches. En 40 secondes de la fin, je te donnerai un indice supplémentaire. Ça tourne autour. Ça a un rapport avec le cadavre. C'est quoi cette musique? Ah! Oh putain! Voilà. Le fantôme n'aime pas la lumière. Fallait faire exploser l'ampoule. D'accord. En fait, c'était le seul endroit où il y avait une ampoule allumée. Pas mal d'images de fond, ça fait bien flippant. Voilà. Ça surprend quand même. Donc tu as fini le mode photographe de Raiden. Maintenant tu peux aller dans celui de Snake pour continuer. Snake, celui-là? Ouais. C'est le seul qui a un mode photographe. D'accord. Bien sympathique, je pense. Ouais, c'est plutôt drôle. Ah. Voilà. Mignonne cette petite. Une petite japonaise. Donc faut que tu cherches le poster. Pas mal aussi, mais c'est pas celle-là. Donc en fait, là, le truc, c'est de trouver le bon poster et de prendre le bon angle de photo. Et là, t'as de la chance, ça a l'air d'être un angle plutôt simple. Ah, est-ce qu'il y a l'angle? Oui. T'avais pas avant? Mais si tu... par exemple, si t'échoues cette mission et que tu la refais, tu auras un angle différent. Par exemple, tu dois prendre un œil en particulier ou quelque chose comme ça. Donc là, t'as échoué pour des raisons mystérieuses. D'accord. Donc si tu... Bon. On connaît, hein. Ouais, voilà. Bon. J'aime bien ce mode photographe. Sympa. Donc là, tu dois encore prendre une photo d'une fille, donc on voit Snake, le gros pervers. Très sympa, quand même. Encore, ouais. Donc je te laisse rechercher. Si je fais... Sur l'ordinateur. Ah, l'ordinateur. Petit voyou là. Il va faire des sites porno pendant sa ronde. Ah bah non. C'est pas ça. Les faire comme ça. Ah non, pour les mâcher. Désolé, hein, si quelqu'un connaît cette personne. Et je crois qu'il y a leur nom marqué en dessous en plus. Enfin, pour certains posters, du moins. I'm under attack. Stay alert. Mais non. Ah, il y a des renforts? Oui. Ah, c'est pas cool ça. Ça risque de t'embêter un petit peu, ouais. J'aurais dû le faire avant. T'es échoué. Ah non, même pas. Je pensais que tu pouvais pas tuer les gardes, mais. On peut. C'est un miracle d'eau.
faire de la musique aussi. T'as un mec qui court comme ça au bout du couloir, t'as qui tourne, tu vois. Et l'autre, oh non. Oh c'est rien. Tu l'as vu. Je préfère pas l'arrêter celui-là. Il est trop taré. Non, non, celui-là. On va le laisser parce que... Il a le temps de regarder trois fois, mais il a pas vu, tu vois. Il regarde même pas en plus, quoi. Oula. Oula, oula, oula. Ya la 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 la. Oula. Le garde, il s'est fait choper. Le cadavre du garde. It's the intruder. Stay on guard. Tiens. What's going on? Ouais, forcément. Oh, c'est pas vrai. Hein? On voit ce qu'il peut être poster. He got one again. Find him now. Send the replacement guard for the area. Understood. Reinforcements are on the way to the front of the elevator on B2. J'adore leur accent russe en fait. Ah. Bon, bah, je vais te donner un indice cette fois-ci au pire. Ouais. Alors attends. Ouais, c'était pas la même photo. T'as eu le temps de voir? Oui. Donc, la clé est autour des ordinateurs. Hein. D'accord. Donc là, t'as eu de la chance parce que je crois que tu l'as tué au moment où il était sur le site. Oh là. Oui, j'ai eu de la chance. Voilà. Mignonne. Pour une fois. Bon. Alors, je vais prendre. Prenez une photo d'affiche avec la même pose que la silhouette. D'accord. Donc tu as bien retenu la silhouette. Ouais. Wow, ça se retient bien. Voilà. Non. Voilà. Allez. Ça va tomber de l'autre côté. Ah non. Ah. Aïe. T'es passé au travers au passage. Ah. Normal. Normal. Juste qu'elle aurait pu m'aider. Ça c'est fait. Donc t'es coincé dans cette pièce. C'est pas ça pour toi. Ah, moins que... Non, on ne semble pas. La fond, peut-être. Non. Ah. Ça, c'est une passe, ça. Non. Mais t'as d'autres casiers, hein. Ah bon? Oui. Là, peut-être. Ah oui, non, je l'avais pas vu, ça. Je l'avais pas vu. On regardera après. Hein. Pour le moment tu ouvres. C'est ça, je crois que c'est elle. Non. Ouais, si. Je crois que c'est ça. Je suis sûr. Apparemment non. Mieux regarder. Alors. La silhouette c'est pas la même cette fois. Ah, la main. Ah cette fois elle a une main sur la tête. Donc ça devait être celle que tu viens de prendre en photo. Ouais, je pense. Voilà. Ouais c'est elle. Le cheater. Voilà. Faut vraiment être rapide pour avoir le meilleur score. Ouais ouais. Prenez une photo avec la même pose que la silhouette. On a les deux bras derrière, oui. Donc là... Donc là, on a les posters pour filles ou pour gays. Mais il n'y en a qu'un seul en plus, donc... c'est une preuve de sexisme. D'ailleurs, il y a un petit truc amusant.
C'est si tu prends cette photo dans la mission du tanker, dans le scénario principal, et que tu la montres à Otacon après, ouais. Il dit je ne savais pas que tu étais de ce bord là. Alors on va aller voir du côté. Peut-être qu'on va trouver un casier. Non. Par là. Quand il restera plus que 2 minutes 30, je te donnerai un indice si jamais t'as pas trouvé. Je sens que je vais pas trouver. Voilà. Ouais, c'est bon pour les abdos. Ça va faire mal à la tête quand même, parce que s'il se rattrape. Ouais. Enfin, je pense qu'il doit quand même toucher un peu le sol avec sa tête. Il y a un peu plus les marques que Raiden quand même. Ouais, mais il est plus vieux aussi, hein. Oh, c'est ouvert, ça. Alors il faut se prendre sa main dans une glace, hein. Rappelle-toi quand même de la silhouette qui était très féminine. Ouais. Voilà. Je vois pas, il pourrait y avoir ce poster là. Donner un petit indice pour trouver cette silhouette, il faudra que tu utilises beaucoup la vue à la première personne à des endroits pas forcément auxquels tu t'y attends. C'est un poster, non ? Est-ce que c'est dans cette pièce ? Dans la pièce principale, ouais, dans le gros truc c'est des générateurs, non ? Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est dans cette grande pièce, oui. Je sais pas si tu auras le temps, mais au pire, tu pourras toujours essayer parce que c'est assez intéressant à trouver. C'est bien Francis, merde là. C'est vrai que c'est quand même un truc assez dur, hein. Je t'avouerai que j'ai eu beaucoup de mal la première fois à le trouver. Ouais, là. Je pense que tu vas avoir du mal à trouver en 30 secondes et à prendre la photo. Suicide. Tu n'aimes pas les chaises. Ouais. Mais tu verras, tu seras surpris, et je pense que tu vas rigoler quand tu trouveras... Un plafond peut-être. C'est pas au plafond. Voilà. C'est une grille ça. Eh oui.
Bravo. Elle était là-bas en fait. Oui, et en fait quand tu vas en face, ça se retrouve de ce côté-là. D'accord. Et donc du coup, bah voilà, c'est... ils ont modélisé Meryl. Enfin, pas que pour ça, parce qu'on le voit, on la voit dans d'autres missions aussi, mais bon. Oula. Meurtre dans la cellule de prison, Raiden a été tué, prenez une photo du tueur. Celle-là, j'ai jamais pu la... Enfin, si, j'ai réussi une fois par coup de bol, mais je sais pas trop ce que tu dois faire, en fait. Donc je pourrais pas trop t'aider, à vrai dire. Tu dois prendre une photo du tueur. Hmm. Mais ça se trouve, c'est moi le tueur. Ah, non. J'avais pas pensé à ça. Donc réessaye, tu vas voir, il y a pas que Fatman, il y a d'autres personnages. Ah, tu l'as déjà vu Fatman? Ouais, Fatman il est là et il y a d'autres personnages aussi qui sont dans de l'autre côté en fait. Ce côté là? Non, dans de l'autre côté de la vitre, là où t'as vu Fatman. Il y a Ocelot. Salut. Il y a une vieille aussi dans le coin. On reconnaît, on imagine dans le DS3. Ouais. J'ai une vieille tout à l'heure. Ah, il y a une vieille dans le coin. Ouais. Je peux pas savoir ce qu'il a voulu faire, le monsieur. Il est peut-être gérontophile. Et t'en as un autre aussi, je crois. Ça, le tueur. Une canette par ta fille. T'as un autre personnage. Ouais, voilà, il est là. Oula! Du problème, lui. C'est Vamp. Et donc ouais, j'ai essayé de prendre les trois personnages. Ça se trouve c'est ça en plus, c'est l'histoire de la canette. Et c'est la canette pour voir. Allez. Et sinon j'ai vu un truc aussi tout à l'heure, donc je pourrais essayer aussi pour voir si c'est la solution, mais c'est la canette. Si c'est ça, ça serait marrant. Non. Alors essaye. Vas-y, retourne dedans. Et va dans la pièce à droite. Ah oui, il y a peut-être quelque chose parce qu'on. Hey. Hey. Non. Alors allons voir là. Et j'ai vu un poster de Snake. Et tu m'as dit que Snake était peut-être le tueur. Ouais. Donc si tu prends le poster de Snake en photo. Tu l'as? Ouais. D'accord. Ben je sais pas, je sais pas. C'est assez énigmatique comme mission. D'abord c'est lui-même le tueur. Il s'est suicidé. Faudrait plus, hein. Ouais. Non, j'ai essayé trois personnages dans la prison, ils sont tous là pour t'induire en erreur, j'ai l'impression. Et je vois pas trop. À moins que tu puisses te prendre en photo dans un miroir, mais je crois pas qu'il y ait de miroir. C'était ça le tueur. De quoi? Ah, la machine. Ouais. Ça aurait pu. Ça aurait pu, hein. Intrigante cette mission. Ouais, j'ai cherché un jour et je trouvais pas. Je sais que je l'ai réussi un jour puisque j'avais réussi à 100% sur PS2. Mais je me souviens plus bon, comment j'avais fait. Ouais, c'est une autre personne dans le coin. Ouais. J'aurais pas vu, mais... On la pose lui ou quoi? Oui, quand tu pointes l'appareil photo sur lui, il se retourne pour te regarder. En vrai, tu vois ça, ça fait flipper. Il va sûrement y avoir quelque chose de caché. Il y a une crise cardiaque en voyant la culotte de la vieille, peut-être. C'est ça. Non, bah là, franchement, je vois pas. Ouais. On regarde dans le casier, sinon il y a un casier, mais... Dans la pièce, dans la pièce. Non, là, juste en haut, ouais. En haut de la pièce. Ouais.
Ah, y'a rien. C'est bizarre, c'est qu'on peut rentrer dans cette pièce. Oui. Et qui est le poster de Metal Gear aussi. Enfin... Oh, j'avais peut-être trop zoomé. Je sais pas. Non, non, c'est... Bon, je crois que je l'abandonne. Ouais, ouais, c'est une dernière fois au pire. Qui... Et si laisse tomber, sinon... Ça fait un peu long, sinon. Mais bon, la solution, sûrement quelqu'un... L'un d'entre vous l'a. Vicieux, c'est que ce serait que ce soit comment dire, que ce soit l'ordinateur qui contrôle la machine de torture. Ah, tu l'as? Non, c'est celui qui est tout seul, qui est isolé. Non, pas dans la pièce à côté, à gauche, sur la gauche. Tu l'as? Ouais, celui-là, là, le petit. Non, bah, c'est pas grave, mais la suivante au pire. On n'aura pas trouvé. J'ai quand même 8 essais. Meurtre en série, des soldats ont été tués, prenez une photo du tueur. Ah oui, on est tué. Encore Aiden. Oula. Je pense qu'on va encore voir des personnages. Le président. C'est mal ça. Bah, c'est qu'ils ont voulu s'amuser, je pense. Donc on a aussi comment il s'appelle déjà le mec qui désamorce des mines. Ah, je crois qu'il s'est cassé la gueule là en essayant. Ça c'est Ames. Il y a pas mal de personnages. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle lui. Ah oui, Steelman, voilà. Et c'est un des ces personnes là. Peut-être. On sait vite. Mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que je pensais que t'aurais plus de mal à trouver. En fait, si tu regardes les soldats et Raiden, ils se touchent tous les couilles, quoi. Ouais. Donc ils sont morts en se touchant les couilles. Et si tu te souviens bien, dans le jeu, il y a un moment, le président, il vérifie si Raiden est une fille. En lui touchant les couilles, quoi. Ah oui. Oui, exact. Et donc, en fait, c'est ça l'indice qui te permet de te mettre sur la voie, quoi. De savoir qui c'est. Ouais. Ah ouais, ça c'est chaud, ça. Il faut que tu reconnaisses le sourire de la fille. J'ai vu que les dents sur le côté étaient décalées, un peu. C'est pareil que c'est une mode d'ailleurs au Japon en ce moment, je sais pas si vous savez. Ah oui. Ouais. D'avoir des dents irrégulières en fait. Non, c'est pas possible, mais non, mais non. Elle m'a perturbé. Alors fais gaffe. Ah, c'est un œil. Oui, oui, ça change à chaque fois, hein. C'est pour ça que je te dis, fais gaffe. Donc, je sais pas si t'as bien vu l'œil du coup. Oui, c'est celui-là. T'es sûr? Non. Tu vas pouvoir recommencer en regardant bien. Ouais, on va mieux regarder. Donc là, c'est le sourcil, carrément. Mais non. C'est quoi, c'est amusant, et... c'est amusant, mais c'est dur en même temps. De reconnaître le sourcil de la fille. Mais c'est le plus net sur le... Oui, oui, c'est plus net. C'est normal. Ah, je crois que c'est normal. C'est qu'à l'époque, le jeu n'était pas suffisamment bien fait pour supporter des images hyper nettes dans le jeu, quoi. C'est que dans cette pièce, j'imagine. De toute façon, tu peux pas aller dans d'autres pièces. T'as vu, c'est elle qui avait les dents décalées. Ouais. Ah, je crois que c'est celui-là. Bravo. Ouais. Bravo, monsieur.
Bah du coup on a fini le mode le mode photographe. Ouais. Yeah. Hein, c'était donc, sympa, franchement j'ai bien aimé c'est amusant, enfin on se dit tiens mais des fois c'est vrai ils emmènent un peu dans le truc farfelu, c'est rigolo ouais. Ouais ouais c'est très très sympa.